What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre. Tesla, une vieille dame encerclée par une concurrence de plus en plus affûtée. Porsche qui lève à son tour le pied sur l'électrique. Des propriétaires de Toyota à hydrogène qui portent plainte contre la marque. Les voitures à hydrogène, toujours persona non grata au JO de Paris. Et enfin, Hyundai et Kia qui anticipent une victoire de Trump aux élections américaines. Voici pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview de la semaine, celle de Sarah Ra, directrice du développement de NW, une entreprise française actrice de la transition énergétique que l'on connaît surtout à travers son réseau de stations de recharge e-charge. Nous ferons aussi un petit tour dans le tout nouveau Xpeng G9 Performance avec l'essai de la semaine. Bienvenue dans le podcast What's Up par Automobile Propre, épisode 127 du 27 juillet 2024. L'actu de la semaine. On le sait, Tesla a connu un premier semestre 2024 difficile. Les ventes sont en baisse de 4,8% par rapport à l'an dernier. La cause, une gamme vieillissante qui peine à séduire les acheteurs maintenant. Mais si les ventes sont en berne, c'est surtout le bénéfice net qui inquiète, puisque celui-ci a chuté de 45% sur la même période. Tesla sauve les meubles pour l'instant grâce à ses activités de stockage d'énergie et la vente de crédits carbone. Mais l'objectif de 1,8 million de voitures vendues en 2024 semble désormais hors de portée. En France, le modèle Y a perdu sa couronne au profit de la Peugeot i208, boostée par le leasing social, il faut bien le dire. Tesla se dit entre deux vagues de croissance, fin de citation, misant sur des voitures autonomes et des robots humanoïdes pour l'avenir. Malgré tout, Elon Musk promet toujours une Tesla abordable pour 2025, qu'on attend toujours donc depuis plusieurs années. Reste à savoir si cela suffira pour relancer la machine. En attendant, la concurrence ne chôme pas, ce que Tesla ne semblait pas vraiment avoir anticipé. De son côté, Porsche revoit aussi à la baisse ses ambitions pour la voiture électrique. Initialement, le constructeur allemand visait 80% de ventes de véhicules électriques d'ici 2030, mais cet objectif est désormais jugé trop ambitieux. Tout semblait pourtant bien parti avec le succès de la berline électrique Taycan et des prévisions de 50% de voitures électrifiées dès 2025. Cependant, 2024 a apporté son lot de désillusions. Les ventes de la Taycan ont marqué le pas et malgré les bons débuts du Macan électrique, les chiffres ne sont pas au rendez-vous. Porsche a annoncé cette semaine que la transition vers l'électrique prendrait plus de temps que prévu en raison d'une demande plus lente que prévue, elle aussi. Le PDG de Porsche, Oliver Blume, reste cependant optimiste, prévoyant une relance des ventes de la Taycan en fin de cycle et se réjouissant des commandes pour le nouveau Macan électrique qui devrait effectivement cartonner, on peut le dire. La marque reste flexible, prête à atteindre ses objectifs si la demande suit, mais pour l'instant, la route vers 2030 semble plus sinueuse que prévu. Des propriétaires californiens de la Toyota Mirai, le modèle à hydrogène du constructeur japonais, ont décidé de porter plainte contre la marque pour tromperie. La raison ? Une autonomie ou en tout cas une capacité de réservoir réelle bien en deçà des promesses. Alors que Toyota a annoncé fièrement 650 km d'autonomie pour le modèle haut de gamme, ses conducteurs déçus n'atteignent en réalité qu'un peu moins de 500 km. Un écart significatif qui a poussé une quinzaine de propriétaires à saisir la justice. Mais ce n'est pas tout, les plaignants dénoncent également un réseau de stations-service insuffisant et des pannes à répétition. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'impossibilité de revendre leur véhicule faute d'acheteurs intéressés. Cette affaire pourrait bien jeter un froid sur le développement de l'hydrogène dans l'automobile. Toyota, pionnier de cette technologie, se retrouve ainsi dans une position délicate. L'issue de cette plainte pourrait avoir des répercussions en effet importantes sur l'avenir de la mobilité hydrogène. Toujours sur le sujet de l'hydrogène, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, un groupe de scientifiques monte au créneau contre les voitures à piles à combustible. Dans une tribune publiée dans Le Monde, ces experts tirent la sonnette d'alarme sur l'utilisation de véhicules à hydrogène pendant les JO. Leur argument principal, l'inefficacité énergétique de cette technologie comparée aux voitures électriques à batterie. Selon eux, produire de l'hydrogène vert nécessite trois fois plus d'électricité qu'une voiture électrique classique pour parcourir la même distance. Un gaspillage d'énergie qui pourrait compromettre nos objectifs climatiques, selon eux. Ces scientifiques pointent également du doigt le coût élevé de l'hydrogène et le manque d'infrastructures. Ils appellent donc à privilégier les transports en commun et les véhicules électriques à batterie. Une prise de position qui relance le débat sur l'avenir de l'hydrogène dans les transports, notamment individuels.
Hyundai et Kia ajustent leur stratégie en prévision d'une possible victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine de 2024. Anticipant un retour en force des politiques moins favorables aux voitures électriques, les deux constructeurs sud-coréens misent davantage sur des modèles hybrides. Cette décision repose sur la crainte que Trump, connu pour ses positions climato-sceptiques, pourrait réduire les subventions et les incitations à l'achat de véhicules électriques. Concrètement, les deux marques prévoient d'augmenter la production de véhicules hybrides, jugés plus attractifs dans un contexte de réglementation moins stricte sur les émissions. Les modèles 100% électriques, quant à eux, pourraient voir leur développement ralenti. Cette stratégie marque un contraste avec les ambitions affichées jusqu'ici par Hyundai et Kia, qui visaient une électrification rapide de leur gamme. Le marché américain, crucial pour les deux constructeurs, pourrait ainsi influencer significativement leur choix stratégique. L'interview de la semaine. Acteur discret de l'électromobilité, IE Charge n'en reste pas moins un incontournable et un sérieux challenger du secteur. Créée en 2021, cette jeune entreprise spécialisée dans le déploiement de stations de recharge pour véhicules électriques connaît une croissance fulgurante puisqu'elle a ouvert pas moins de 127 stations en à peine 3 ans. L'occasion de faire le point avec Sarah Ra, directrice du développement de NW, la maison mère d'IE Charge. Bonjour Sarah Ra. Bonjour Eric. Bienvenue, vous êtes directrice du développement de NW, une entreprise française actrice de la transition énergétique. Pouvez-vous nous présenter NW Group en quelques mots et puis après nous parlerons plus spécifiquement d'IE Charge ? Bien sûr, alors NW c'est une entreprise française qui a été créée en 2007 et c'est en fait la première licorne française de la transition énergétique. On a deux métiers, un premier métier qui est celui du stockage d'électricité et un deuxième qui est celui de la mobilité électrique. Alors peut-être un mot rapide sur ce qu'est le stockage d'électricité. S'agit en fait de stocker de l'électricité sur le réseau pour équilibrer en permanence l'offre et la demande en électricité sur notre réseau électrique français. NW aujourd'hui, c'est le leader du stockage d'électricité en France avec 500 MW déployés. Et c'est également donc un opérateur de mobilité électrique à travers ces stations de recharge IE Charge, qui sont des stations de recharge haute puissance pour véhicules électriques. Alors NW Group a été créé donc en 2007 et IE Charge, c'est plus récent ? Alors la première station IE Charge a été ouverte en 2021 à Vezin-le-Coquet, près de Rennes. Aujourd'hui, on en a 127, on a ouvert la 127e sur le territoire français et on en aura 150 à la fin de l'année. Ah oui, donc vous déployez très vite là, ça plaisante pas là, hein. En 3 ans, 127 stations. Quel est le principe d'IE Charge, le positionnement et le fonctionnement d'IE Charge exactement ? Alors, l'IE Charge, avant tout, c'est une station de recharge haute puissance, toujours la même station, avec 4 points de charge, 2 points en 320 kW, 2 points en 160 kW. Le positionnement, je dirais, la spécificité des stations IE Charge, elle vient de deux facteurs. Le premier facteur, c'est plutôt un facteur de conception technique, je vais y revenir. Et le deuxième facteur, je dirais que c'est plus lié à la mission de NW, à une philosophie d'entreprise. Donc, le premier facteur sur la conception technique, il s'agit d'une alliance brevetée, avec un brevet de rang mondial, entre nos deux métiers. Donc, je vous disais tout à l'heure, NW a deux métiers. Le premier, celui du stockage d'électricité. Le second, dans l'ordre d'apparition dans l'histoire, celui de la mobilité électrique. Et nos stations-service, elles sont reliées non pas directement au réseau électrique, mais elles sont connectées à notre batterie. Donc, nos batteries, ça s'appelle les J-Box, qui elles-mêmes sont reliées au réseau électrique. Et donc, en fait, cette batterie, cette J-Box, elle sert de tampon entre le réseau et la station de recharge. Ça permet déjà de ne pas déséquilibrer le réseau électrique aux abords de la station, puis ça permet de garantir la puissance pour l'utilisateur, pour l'automobiliste. Le deuxième facteur de spécificité des IE Charge vient du positionnement de l'entreprise, et c'est ça ce que je vous disais, c'est un véritable choix, qui est de se dire que finalement, on s'implante partout où c'est techniquement possible. Donc partout où le raccordement est faisable, et donc le raccordement de notre batterie. Donc ça peut être notamment dans des zones rurales ou périurbaines, ce qui fait de nous le premier acteur de mobilité électrique dans ces zones-là. Et puis la deuxième chose sur ce positionnement d'entreprise, c'est le prix. On propose un prix qui est fixe à 30 centimes du kilowattheure. Alors, je dis fixe, mais en ce moment, on a justement une promotion estivale à 25 centimes du kilowattheure. Mais le prix ne varie pas, si ce n'est à la baisse pendant cette période estivale, et est très bas pour de la recharge en très haute puissance.
toujours dans l'optique de rendre la transition énergétique accessible à tous. Ce qu'on se dit, c'est que le passage à la mobilité électrique ne pourra pas se faire si on manque d'infrastructures sur le territoire. Et nous, notre spécificité, c'est le développement de ces infrastructures en zone rurale et périurbaine. Il ne se fera pas non plus si c'est beaucoup trop cher pour l'automobiliste. Et donc, le but du jeu, c'est de proposer une recharge qui soit particulièrement intéressante, tant d'un point de vue emplacement que d'un point de vue économique pour celui qui viendra se charger. Donc en fait, vous annoncez que vous avez, on le voit dans votre communication, pour mission de démocratiser la recharge des véhicules électriques, mais c'est aussi un positionnement purement technique de vous éloigner un petit peu des grandes zones de circulation et des grandes zones urbaines. Alors, c'est une très bonne question. On ne cherche pas spécifiquement à s'éloigner des grands axes, comme vous mentionniez. On cherche d'abord, avant tout, à s'installer là où c'est techniquement faisable. Et donc, en effet, là où le raccordement électrique est techniquement possible. Et en conséquence de quoi, on se retrouve avec des implantations qui peuvent être variées en zone rurale, en zone périurbaine, en zone plus urbaine. Ce qui est important de retenir, c'est que quand on va choisir une implantation, on ne va pas le faire en fonction de prévision de trafic, mais bien en fonction en effet de ce critère technique. Et c'est donc bien la conséquence de ce choix qui fait qu'on est particulièrement implanté dans des zones rurales ou des zones périurbaines. Après, le fait de ne pas s'implanter en fonction des prévisions de trafic ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trafic. Justement, le trafic vient plutôt à nous, et notamment du fait de ce tarif de 30 centimes du kilowattheure ou 25 centimes en ce moment que je vous mentionnais, avec un trafic qui augmente assez rapidement, plus 50% sur les 2 trimestres précédents. Oui, parce que c'est la question qu'on peut se poser, c'est station éloignée ou entre guillemets en rase campagne, sans que ça soit du tout péjoratif, plus tarif bas, on se pose la question de l'équation en termes de rentabilité, et ça fonctionne? Et ça fonctionne très bien. Le modèle, en effet, est innovant par sa conception technique, si je peux revenir dessus Oui. rapidement. En effet, on a bien un double modèle avec d'une part le stockage et donc notre unité de stockage qui s'appelle la J-Box, et d'autre part la station service, la station de recharge électrique IE-Charge. Et c'est bien cette alliance qui permet de proposer ce service, y compris dans des zones, comme vous le mentionniez, très rurales, toujours au même tarif de 30 centimes du kilowattheure. Sur la partie technique, vos bornes gardent la même puissance, quel que soit le nombre de voitures branchées, ou est-ce que c'est une puissance qui se divise en fonction des besoins? Alors, la borne garde la même puissance. Quand je vous mentionnais tout à l'heure la particularité technique du Ouais. fait d'être adossée à nos J-Box, donc à nos unités de stockage et Ouais. pas directement au réseau, c'est ce qui nous permet aussi de garantir à la fois cette puissance, donc le 2 x 320, 2 x 160, D'accord. mais aussi la disponibilité aussi de ces bornes. Aujourd'hui, on a une disponibilité qui est supérieure à 95% sur notre réseau. C'est aussi lié à cette conception technique particulière. Alors, cette conception technique particulière, elle a même fait l'objet d'un brevet mondial. Absolument. Donc vous êtes protégé en quelque sorte. C'est Est-ce l'idée. que vous prévoyez de faire des stations plus grandes de type mégastation avec je sais pas, 8, 16 ou voire plus de bornes encore. Ou est-ce que vous allez rester Alors. dans ce positionnement vraiment 2, 4 points de charge, 2 bornes? Alors pour le moment, oui, c'est bien ce positionnement qu'on a et qu'on va conserver. Ce qu'on cherche en fait à atteindre, c'est plus à augmenter le maillage territorial. On en revient tout à l'heure au fait de rendre la transition énergétique et la mobilité électrique accessible à tous, notamment compte tenu des endroits dans lesquels on s'implante. Pour nous, ce qui va primer, ça va être l'augmentation du maillage territorial et le fait de pouvoir équiper de plus en plus de zones, plutôt que de multiplier les points de charge en un seul et même endroit. Donc oui, c'est bien ce modèle-là qui va continuer à être le nôtre. Alors un auditeur, Lucou, nous dit, pour le moment vous êtes très peu, voire pas du tout implanté dans le sud-est. Est-ce dans vos plans de développer cette région? Alors absolument. Donc on a commencé vous le mentionniez tout à l'heure, hein, c'est très rapide. On avait notre première station en 2021. On est à 127 aujourd'hui, 150 à la fin de l'année. On prévoit de doubler ce nombre pour être à 300 stations à la fin de l'année 2025. Et donc en effet, le but va être de pouvoir ouvrir des stations IE Charge dans toutes les régions et y compris dans le sud-est. Vous acceptez tous les moyens de paiement sur les charges IE charge, c'est-à-dire les cartes de paiement spécifiques, les cartes de crédit, etc.
Absolument, on accepte tous les moyens de paiement. Alors toujours finalement lié à cette même philosophie, hein, qui est de rendre la transition énergétique et là sur ce sujet précis, la mobilité électrique la plus accessible possible. C'était très important pour nous qu'il soit facile de se brancher et de se recharger sur une station de recharge. Donc on accepte tous les moyens de paiement. La carte bancaire en fait partie, mais également tous les passes de recharge que vous connaissez et aussi l'application, puisque nous avons une application e-charge qui permet de se charger aussi. Donc l'application, elle permet de se charger, de payer. Est-ce qu'elle permet probablement aussi d'identifier, de localiser les bornes? Est-ce qu'il y a une sorte de planificateur dans l'application? Alors, l'application permet en effet de localiser les bornes. Elle permet aussi de planifier son trajet. D'accord. Sur le trimestre passé, on a eu 15 000 itinéraires qui ont été planifiés sur notre application. Donc, ça a plus que doublé par rapport au trimestre précédent. Et donc, c'est une fonctionnalité qui plaît, qui fonctionne très bien. On a aussi une autre fonctionnalité qui est celle de l'autocharge. Qui a fêté ses 1 an d'ailleurs en juillet 2024. On l'a lancé en juillet 2023. Aujourd'hui, on a plus de 2 000 conducteurs qui utilisent cette fonctionnalité, qui est évidemment très pratique pour les utilisateurs habitués. L'application au global, elle a aujourd'hui 10 000 utilisateurs actifs. Donc, on a fait un plus 50% à peu près par rapport au premier trimestre de l'année 2024. Donc on voit qu'on a de plus en plus aussi d'utilisateurs qui apprécient les fonctionnalités. C'est aussi via l'application qu'on peut retrouver notre tarif estival du 25 centimes du kilowattheure. Ouais. Mais encore une fois, ce n'est pas l'unique moyen de paiement. Vous pouvez tout à fait venir vous charger et utiliser votre carte bancaire sans préparation préalable. L'autocharge, un mot, c'est la capacité de se charger sans avoir à s'identifier à chaque fois. Tout à Comment fait. ça fonctionne exactement? Le véhicule, après une première authentification et une première recharge en ayant déclenché le fonctionnement de l'autocharge dans l'application, ça permet ensuite à la borne de recharge de reconnaître le véhicule et de démarrer la charge sans avoir besoin de se réauthentifier. Alors moi, je me posais la question de l'effet un petit peu anxiogène, même si le mot est un peu fort, pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment les usages et les pratiques de la voiture électrique, qui est un peu un novice, qui vient d'acheter une voiture électrique. Est-ce que aller se charger comme ça en milieu rural ou en rase campagne, est-ce qu'il n'y a pas un petit effet anxiogène? Est-ce que, par exemple, si ça fonctionne pas, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une hotline? Vous avez la capacité de rebooter les bornes à distance? Alors c'est une très bonne question d'ailleurs de manière générale. Le passage à la mobilité électrique, ça suppose aussi qu'on puisse rassurer les automobilistes qui vont quand même changer de paradigme en passant potentiellement d'un véhicule thermique à un véhicule 100% électrique. Dans le fait de rassurer les automobilistes, je pense qu'il y a un premier point qui est celui de pouvoir se charger en haute puissance partout sur leur trajet. La recharge à domicile, elle doit être évidemment complémentée de cette capacité à se charger en haute puissance sur le trajet, quand on fait d'un point A à un point B qui sont un trajet un peu plus long. Et donc, en effet, ça, je pense, c'est le premier facteur anxiogène qu'il faut absolument traiter. Et c'est bien l'objectif que nous poursuivons en augmentant notre maillage territorial, et y compris dans ces zones rurales et périurbaines, sur des axes secondaires, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, éloignés des grands axes et des zones qui sont plus traditionnellement équipées en points D'accord. de recharge haute puissance. Donc ça, en effet, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, alors je vous mentionnais, on a plus de 95% de disponibilité sur nos stations, mais évidemment, on a une hotline qui est disponible à tout moment sur nos stations si jamais il devait y avoir évidemment une difficulté de l'automobiliste, plutôt une difficulté à d'ailleurs savoir se servir de la station qu'une difficulté à pouvoir se charger en soi. Très bien. Je vais passer à la question des auditeurs, plutôt d'un auditeur, Jean-Christophe, sur ce sujet-là. Des questions un peu d'usage, des questions pratiques, auxquelles je vous laisserai le soin de répondre. Allez, on y va. Bonjour Jean-Christophe d'Arcachon, petite question à Sarah. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'un jour on aura des toilettes sur les stations e-charge? Merci. Alors bonjour Jean-Christophe et merci pour votre question. Alors pour le moment, ce n'est pas prévu, mais je note votre question j'y réfléchirai. Vous utilisez des bornes que personnellement j'ai jamais vues ailleurs. Je voulais savoir pourquoi vous avez fait ce choix, pourquoi vous ne travaillez pas avec les grands noms qu'on peut croiser par ailleurs comme Alpitronic ou ABB. Et je voulais savoir, on a quelquefois rencontré des problèmes avec ces bornes, en particulier au niveau de l'écran tactile. Parfois, quand on met le doigt d'un côté, le curseur de la souris apparaît de l'autre.
Je voulais savoir si ces problèmes étaient en cours de résolution ou est-ce qu'ils étaient déjà résolus? Alors, deux excellentes questions. Alors, dans l'ordre, pourquoi est-ce que vous n'avez jamais croisé nos bornes ailleurs? En effet, ce sont bien des bornes qui sont designées et propriétés de NW. De manière générale, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans notre manière de fonctionner et sur nos deux métiers, que ce soit le stockage ou la mobilité électrique. NW est bien propriétaire de ces bornes et on développe beaucoup de choses maison. On fait également partie de la French Tech, on fait partie du Next 40. Donc on a une forte proportion de développeurs et de tech au sein de NW. Et donc on développe beaucoup de choses nous-mêmes. Les bornes en sont probablement le signal extérieur le plus visible. Ensuite, pour ce qui est de votre question sur l'écran tactile, je note le retour. On fait des mises à jour très régulièrement et des améliorations. Et ce point faisait partie des dernières améliorations, en effet, qui ont été implémentées sur nos stations. Pour finir de répondre, j'ai regardé effectivement, vous avez fait une mise à jour récemment, là, au mois de juin. Tout à fait. Donc peut-être que l'expérience de Jean-Christophe est antérieure à cette mise à jour et que ces problèmes ont été réglés. Je l'espère vivement pour Jean-Christophe. Une dernière petite question de Jean-Christophe, c'est sur les tarifs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se basent sur les tarifs de Tesla et d'Eocharge pour dire que tous les autres opérateurs, entre guillemets, sont des voleurs, c'est-à-dire qu'ils proposent un tarif à la recharge qui est souvent deux fois plus cher que les vôtres. Mais on sait que vous avez un fonctionnement particulier avec vos box. Est-ce que vous pensez que si vous créez une station normale sur un parking de supermarché sans votre box à côté, est-ce que vous seriez capable de tenir ces tarifs? Et est-ce que, en gros, les autres opérateurs abusent des tarifs sur la recharge, selon vous? Merci. Alors personnellement, je ne l'avais jamais entendu cette remarque. Alors donc pour répondre, il y a un peu deux questions de votre question. Quand vous parlez de stations entre guillemets normales sur le parking dans le supermarché, c'est prévu. On aura bientôt d'ailleurs des stations de recharge sur des parkings de supermarché puisque nous avons un accord avec le groupement des mousquetaires depuis l'année dernière pour équiper leurs points de vente en stations de recharge e-charge. Dans ces cas de figure-là. On va prendre ce cas de figure précis. On retrouvera bien l'alliance entre la J-Box, donc la batterie de stockage, et la station de recharge et de charge, puisque c'est notre modèle, et donc c'est bien celui-là qu'on va développer. On ne trouvera pas de station sans batterie J-Box. Le tarif sera, quant à lui, toujours égal à 30 centimes du kilowattheure, toujours le même tarif partout, que nous soyons dans des zones plus rurales ou que nous soyons sur le parking d'un supermarché. Après, pour ce qui est de la deuxième question, évidemment, les tarifs sont, je pense, le facteur de deux choses toujours. La première, c'est le facteur d'un modèle économique et d'un modèle de coût. Effectivement, celui de NW est particulier, innovant, breveté et protégé, comme vous le disiez, Eric. Donc, de ce fait, ne peut pas forcément se retrouver partout. Et la deuxième chose, c'est celui d'un choix d'entreprise et d'une philosophie d'entreprise. On a fait volontairement le choix de profiter de notre modèle technologique innovant pour permettre un tarif très intéressant, attractif pour l'automobiliste qui va ainsi être favorisé dans son choix de passer à la mobilité électrique. Donc, je pense qu'il y a bien ces deux facteurs-là. Je ne saurais me prononcer pour nos confrères, mais nous, c'est bien le choix que nous avons fait. C'est très clair. L'an dernier, vous avez conclu donc un partenariat avec le groupement des Mousquetaires. Alors, vous avez expliqué en quoi il consistait. Ça a déjà démarré. Vous avez déjà implanté des stations. Et si oui, quel bilan en tirez-vous après une première année? Alors donc le partenariat a déjà démarré. Les premières stations ne sont pas encore ouvertes. Elles sont encore en cours de construction. Et je pense que le bilan sera très positif. Alors il faudra qu'on se reparle d'ici quelques mois. Ce qui est intéressant en fait dans ce partenariat, c'est que nous avons un ADN commun avec le groupement des mousquetaires, qui est de favoriser le pouvoir d'achat. Alors pour eux, c'est le pouvoir d'achat de leurs consommateurs, de leurs clients qui vont venir dans leur supermarché ou dans leur bricomarché. Et puis pour nous, ça va être le pouvoir d'achat de l'électromobiliste. Là-dessus, on se rejoint. On se rejoint aussi sur un autre facteur qui est celui du maillage territorial. C'est un groupement qui a vraiment pour vocation à équiper de moyennes ou grandes surfaces
toutes les zones. Et nous nous retrouvons totalement dans cette philosophie. Vous avez d'autres projets dans ce sens? Vous parlez avec d'autres groupes de distribution? Alors, plus récemment, nous avons aussi signé un partenariat avec Mobilience, donc le syndicat professionnel des métiers de la mobilité, toujours dans, je dirais, la même idée, qui est de pouvoir équiper leurs adhérents, donc professionnels des métiers de la mobilité au sens large, en stations de recharge qui soient à la fois innovantes, performantes et attractives économiquement pour les usagers. Donc, tout à fait, ça fait partie de nos vecteurs de développement en France. Et évidemment, nous allons aussi continuer à équiper les zones dites blanches en zone rurale ou en zone périurbaine. Au-delà de la France, il y a aussi le développement à l'international, parce que nous sommes fiers chez NW de pouvoir exporter notre savoir-faire en dehors de nos frontières nationales. Aujourd'hui, nous nous développons en Europe du Nord, en Finlande et en Suède. Nous nous développons aussi un peu plus au sud, en Italie, et aussi outre-Atlantique, au Texas. À chaque fois sur nos deux métiers, ceux du stockage et de la mobilité électrique. Donc ça fait aussi partie de nos plans pour les prochains mois. Pour les US, pourquoi le Texas? Il y a une raison particulière? Alors, pour le Texas, il y a une raison qui est liée plutôt à notre métier du stockage d'électricité. Le Texas est un État qui n'est pas relié au reste des États-Unis d'un point de vue réseau électrique. C'est ce qu'on appelle un îlot électrique, ce qui rend son réseau potentiellement fragilisé, notamment parce que c'est un État où on produit énormément d'énergie renouvelable. C'est l'État qui a d'ailleurs la plus grande part d'énergie renouvelable dans son mix énergétique, et donc de ce fait qui subit des fluctuations et potentiellement des déséquilibres très graves entre offre et demande. Donc c'est plutôt cette raison-là qui nous a poussé à développer le stockage et par conséquent à développer aussi nos stations de recharge EOCharge, de la même manière qu'en France. D'accord. Et à partir de ce point de départ texan qui est quand même un peu particulier, vous pensez vous développer un petit peu dans le reste des États-Unis ou alors ça reste vraiment une spécificité? Alors pour l'instant c'est le Texas. Après je pense que voilà l'avenir nous le dira, mais je suis pas sûre que la conquête de l'Ouest s'arrête là. Revenons en deux mots au groupe NW, présenté comme la première licorne française, comme vous l'avez dit. Vous avez intégré la French Tech et le Next 40 en 2023 et vous avez gardé votre place en 2024. Alors d'abord, juste en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas, le Next 40, c'est quoi exactement? Alors le Next 40, c'est le classement qui est établi par la French Tech pour mettre en valeur les 40 startups les plus innovantes et les plus performantes de l'écosystème français. La spécificité du classement 2024 est que les critères de classement ont un petit peu évolué pour valoriser à la fois les levées de fonds et à la fois les revenus de ces entreprises. Donc nous faisions partie du classement, nous avions fait notre entrée dans le classement en 2023, suite à notre levée de fonds en 2022, et nous avons été maintenus dans le classement en 2024, ce qui est plutôt source de fierté pour nous, en fait. C'est vraiment une reconnaissance du statut de pionnier de la tech mise au service de la transition énergétique et donc environnementale au sens large. L'idée étant de promouvoir des champions nationaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières. Vous aviez fait une levée de fonds précédemment, que vous venez de mentionner, très importante. Oui, tout à fait, 300 millions d'euros à l'été 2022. Et vous avez des confrères dans le Next 40. Je crois qu'Electra fait partie du Next 40 aussi. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs dans la promotion 2024, c'est qu'il y a une forte proportion d'entreprises, soit de la green tech, soit de manière plus générale, ouais, qui œuvrent en faveur de la transition énergétique ou environnementale. Et c'est assez intéressant, je pense, de noter cette proportion qui est plutôt très, qui va dans le bon sens. Évidemment, on ne peut que s'en féliciter collectivement. Très bien. Sarah, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Eh oui. Et je suis une fervente utilisatrice des stations EOCharge. Vous ne me posez pas la question, mais je vous réponds quand même. Très bien. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Eric. Je rappelle que vous êtes directrice du développement de NW, une entreprise française de la transition énergétique et aussi de EOCharge. Merci beaucoup. Merci à vous. L'essai de la semaine.
Après l'essai du G6 il y a 2 semaines, c'est au tour du Xpeng G9 Performance de passer à l'attendrisseur de nos essais. À mi-chemin entre un Tesla Model Y et un Model X, ce gros et luxueux SUV présente un design cependant très épuré, visant à soigner son aérodynamique. Mais écoutez plutôt ce qu'en dit notre essayeur maison, Maxime Fontanier. Et voici maintenant la marque chez nous, dans l'Hexagone, avec ce G9. Un SUV 100% électrique à haute performance. En termes de dimension, il se situe entre un Tesla Model Y et un Tesla Model X, puisqu'il fait 4,89 m de long pour 1,94 m de large et 1,67 m de haut. Côté mécanique, eh bien, c'est à peu près comme sur un Tesla Model Y. Vous avez une version d'entrée de gamme propulsion et cette version performance haut de gamme avec un moteur à induction à l'avant, un moteur synchrone à aimant permanent à l'arrière. Le tout va délivrer 551 chevaux pour 717 Nm de couple. Et cette motorisation est alimentée par une grosse batterie de 98 kWh de capacité brute, une batterie de type NMC, nickel, manganèse, cobalt. Cette version G9 Performance se distingue des autres versions par son logo G9 Performance à l'arrière et surtout ses grandes jantes de 21 pouces. Sinon, sur tous les modèles, vous avez un toit vitré panoramique ainsi que des vitres arrière surteintées et un éclairage entièrement à LED. Chez Xpeng comme chez Tesla, la voiture est étroitement liée au téléphone. Donc on a une application qui est très complète, qui permet de préchauffer son véhicule ou de le refroidir avant de partir quand il fait chaud. Mais vous pouvez aussi le faire avancer tout seul. Donc si je suis garé dans un espace serré, c'est quand même très pratique. Je vous rassure, il y a quand même des capteurs, hein, qui vont éviter à la voiture eh bien, d'aller dans le champ, par exemple, ou de percuter la voiture à côté. Le constructeur annonce une consommation moyenne de 21,3 kWh au 100 selon les normes WLTP et 520 km d'autonomie. Dans la réalité, vous ferez 350 km sur autoroute et 450 km en usage quotidien en ville, en pouvant régénérer et en roulant, on va dire, à un rythme moins élevé. Quand je vous dis 350 sur autoroute, c'est vraiment à 130. Et là, vous voyez, quand je appuie sur les 20 derniers kilomètres, sachant que les 20 derniers kilomètres, je les ai fait exclusivement sur voie rapide et sur autoroute, il m'annonce 25,2 kWh au 100, ce qui est pas si mal hein, pour un véhicule, je dirais, aussi lourd avec de telles performances, parce qu'encore une fois, ça bombarde. Allez, maintenant, on va aller voir ce que ça donne en charge, parce qu'apparemment, il charge très vite. Et nous voici sur une borne de charge rapide qui peut délivrer 300 kW. Et c'est justement la puissance de charge maxi de notre Xpeng G9. Et là, vous voyez, quand je regarde l'écran, eh bien, on frise les 260 kW. Donc, c'est vraiment pas mal. Et en plus, on les maintient assez longuement. Ça permettra de faire un plein de 10 à 80% en 20 minutes seulement. Vous allez récupérer à peu près 100 km d'autonomie en 5 minutes. C'est vraiment très, très bien. Et s'il est aussi rapide en charge, c'est parce qu'il fonctionne sous une tension de 800 volts comme une Porsche Taycan. Sur une prise classique en courant alternatif, vous avez un chargeur embarqué de 11 kW. Donc là, ce sera quand même beaucoup plus long, 11 kW pour recharger la grosse batterie de 93 kWh. Je vous laisse faire le calcul. Précisons aussi que les véhicules de chez Xpeng bénéficient d'un système V2L, véhicule to load, ce qui permet de recharger des objets extérieurs à raison de 3,3 kW de puissance maxi. Parlons maintenant du tarif. Et ce modèle haut de gamme est facturé 73 990 €, 74 000 €. Bien sûr, il n'a pas de bonus, mais ce tarif inclut la future taxe de plus de 38% sur les véhicules chinois. À cela s'ajoute une garantie 5 ans ou 120 000 km. Donc c'est cher, c'est pas donné. Mais comparé à un modèle Y, on a quand même un peu plus de confort. Et comparé à un modèle X, eh bien, ça reste quand même beaucoup plus compétitif. Maintenant, reste plus qu'à attendre que le réseau de distribution s'étoffe sur notre marché. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut !